Je le disais en ouverture d'émission, Léo Itaperuna a signé un magnifique doublé ce week-end, samedi, face à Thun, qui se solde donc face. À chaque fois que je vois ta tête, en fait, je suis un peu déstabilisée. Pardon. Il fait toujours un peu un truc. Et Michel, c'est dur de le faire naturel. Hein. Je m'excuse, je suis désolé. Pardon, c'est moi. Je te regarde plus. Hein. Arrêtez de vous marrer. Mais... c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, quoi. Parce que le convivial grain en or allait se muer en austère. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne sais pas ce qu'on va dire. Qu'est-ce que j'avais écrit? En austère. Vous avez mené l'enquête, Xavier Lambiel. Pas tout seul, avec Samuel Jacquier. Avec Samuel Jacquier. Vous avez recueilli quelques réponses pour le moins surprenantes. C'est ce qu'on découvre tous ensemble. Convivial Gradin Nord accueillera-t-il bientôt d'austères sièges? Et oui, Xavier Lambiel, vous avez mené l'enquête, mais pas tout seul, n'est-ce pas? Non, pas tout seul, non, avec Samuel Jacquier. Comment tu veux que je reste sérieuse? Pardon, j'ai envie de me marrer. Cette question, Xavier Lambiel, vous l'avez posée hein, à plusieurs niveaux, à plusieurs instants. Je vais s'en partir. Non, mais c'est moi, c'est de ma faute. Non, mais vous êtes pillé en carte sur la table, quoi. Eh bien, Xavier Lambiel, vous avez mené l'enquête et voici le résultat de cette enquête fournie. Qui va décider dans ce dossier la réponse? Pardon, la réponse. Je suis désolé. Ouais. Je pense à un truc triste. Pense au Servette FC. Ouais, moi, je suis à Chad. C'est pour ça que je ne rigole plus. Quoi. Allez, c'est reparti. Tu veux faire comment? Le type, il est en face de toi.